acteur phare de Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi humoriste reconnu, Harry Habitant est depuis mardi 2 novembre mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Cette décision a eu lieu après avoir placé l'homme de 47 ans en garde à vue suite à un dépôt de plainte pour viol sur une jeune femme de 21 ans. Mercredi 3 novembre, Cyril Hanouna a évoqué l'affaire sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il est revenu sur les nouveaux éléments de l'enquête et a également abordé le spectacle de l'humoriste Harry Habitant, My Story, diffusé ce mercredi en deuxième partie de soirée sur TMC. Pour l'animateur de TPMP, cette décision est justifiée. Moi je trouve ça très bien de la part de TMC. Pour l'instant, tant qu'il est présumé innocent, je pense qu'il faut qu'il continue ses projets. La tournée d'Harry Habitant en France est pour le moment maintenue. Alors que ce qui sera sûrement une longue bataille judiciaire ne fait que commencer, les fans d'Harry Habitant s'inquiètent déjà de voir sa tournée annulée. Le chroniqueur Gilles Verdet a mené son enquête pour en savoir plus. Il a expliqué à Cyril Hanouna, j'ai regardé dans plein de villes où il doit faire sa tournée avec son spectacle, au début de l'année prochaine. Pour le moment, le spectacle est toujours à l'affiche et on peut encore louer des billets. La tournée d'Harry Habitant pourrait cependant être compromise dans les prochaines semaines. Pour le moment, aucun retard dans la date de diffusion du prochain film Quest ce qu'on a tous fait au bon Dieu, n'a non plus été annoncé. Loading DJ.